Rebonjour à tous. Bon, là maintenant, voici un match en équipe. Je suis avec un Japonais contre deux Japonais. Ok, là j'ai trouvé ça, disons, assez plate. J'ai trouvé ça, cette partie-là assez plate parce que j'ai trouvé que c'était ennuyant à mourir. Et sachant que va être mis en ordi à la fin, je sais que quand que quelqu'un s'est mis quelqu'un qui décide de quitter pendant une partie, un ordi va être signalé par une case grise. Mais il n'y en aura pas. Voici. Parce que, ah oui, est-ce qu'un ordinateur ferait toujours des roulades comme ça? Non, ça veut dire qu'ils étaient bel et bien présents avant que le rondoudou quitte puis le Ganondorf quitte. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il avait en tête, ce gars-là, là, mais. Je sais pas pourquoi qu'il restait planté sur le bord de la paroi pour essayer de nous avoir comme ça. Il me prend-tu pour un con, là? Moi, tout ce que j'ai besoin de faire, moi, c'est d'utiliser mon Yoshi, puis un petit chemin sur le côté, dans les airs. Tiens, toi. Tu m'envoies de même, là. Non, tiens, regarde, un petit honneur. Arrêtez de me prendre pour un Newfie, là. D'ailleurs, je me demande pourquoi que c'est toujours avec des matchs contre des Japonais que ça arrive. Là, il a été chanceux ce coup-là avant. Oui. Ah. Là, à l'avenir, j'aimerais ça que vous me preniez un petit peu plus au sérieux quand je joue avec vous. Parce que c'est assez poche, là. Là, vous voyez donc que c'était pas mal ennuyeux, là. J'ai pas le courage de venir m'affronter. Aucun courage là-dedans. Ça attaquait pas assez, ça faisait juste. Disons, s'accrocher à des parois ou rien foutre. C'est pourquoi à l'instant même ou que ce n'est pas l'un de vos confrères avec qui que vous affrontez. Vous êtes senti obligé, ok, de rester tranquille. Tu sais, moi, j'appelle pas ça, moi, être les meilleurs joueurs du monde. J'appelle ça être les plus pourris du monde. Regardez en ordi. Il a sûrement quitté. Ils ont sûrement quitté quand la partie est terminée parce que. Est-ce qu'un ordi ferait une moquerie? Direct en début de partie. Non. Ça veut dire qu'ils étaient bel et bien présents. Mais je sais pas, mais à quoi ça leur sert? Ils vont juste être déconnectés pour moins 12 heures de temps, 16 heures de temps. Parce que pour des connexions volontaires. Tu sais, pour moi, moi, quelqu'un qui mérite d'être un excellent joueur, c'est quelqu'un qui est un adepte à tout, que ce soit en ligne ou pour les records. Et pour moi, ils font jamais des bonnes prestations avec les vidéos que je monte avec des Japonais là. Ils font dur. J'aimerais ça avoir des vrais combats là qui sont pas plates comme ça. Tu sais, il y a une vidéo que j'ai passée le 16 contre un. Avec un Japonais, mais qui était même pas dû pour être en mort subite parce qu'il a voulu se protéger à la fin pour conserver son avance, pour être en mort subite, pour essayer de le gagner, mais il l'a pas réussi parce que j'étais là. Ok,
Puis là, après ça, genre, quelques jours, contre des Japonais, genre, dans un match où ils se comptent. OK. Ça s'est arrivé une fois. OK, j'ai gagné la deuxième place, mais ils ont quitté après la salle. Nous, j'ai joué une game ensemble, après ça, tout le monde s'est en allé. Tu sais, qu'est-ce que vous avez contre les joueurs du monde entier? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez après eux autres? Pourquoi ça vous tente pas de jouer contre d'autres joueurs qui sont autant bons que vous? Chacun est égal, il n'y a personne de meilleur qu'un autre. Mais pour moi, j'appelle pas ça de la polyvalence. Dans les jeux vidéo. Moi, quelqu'un de polyvalent, c'est quelqu'un qui t'adapte dans tout. Que ce soit sur les records ou sur les jeux en ligne. C'est pourquoi que, par exemple, dans un jeu comme Mario Kart Wii, que j'ai joué pendant 4 ans dessus, OK, que j'en bats des milliers de Japonais là, à tous les jours. Je suis capable d'en battre facilement. Ben, c'est pas compliqué. Moi j'utilise tous mes items pour essayer de gagner des points en ballon. Ben, j'ai frappé toujours mes adversaires, je mets toujours de la pression dessus, tandis que là, ils se protègent avec des gros champions puis des étoiles tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De plus. T'sais, comment ça se fait que vous voyez des prestations comme ça? C'est pas compliqué, ils ont peur du monde. Ils ont peur du monde extérieur. Tu sais, on devrait tous jouer à fond, mais tu sais, c'est comme une fiction. T'sais, la fiction ne doit pas être une réalité, là. Mais pas si tu gagnes ou tu perds. Pourquoi? Parce que vous ne pas des fois le fait de vous faire battre par une personne étrangère? Moi, c'est parce que vous jouez pas juste des Japonais ensemble. C'est ça que moi, je comprends pas. J'aimerais ça avoir de belles prestations de vous, mais pris moi, à chaque fois que je viens jouer, c'est vraiment pitoyable.